Résultat préliminaire, Jean-Président Sotsoumiel, pas résultat définitif, ce sont des résultats préliminaires de premier tour élection présidentielle. Qui parti qui vont nous joindre en première position dans le résultat SAEO, nous gagnons le parti PHTK. Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes, un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous jouons pour la paix, Jude Célestin, qui totalisait 208 837 votes, un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous jouons Jean-Charles Moïse, pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famille Lavalas, Marise Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Séan, qui totalisait 8075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons le parti Fusion, Edmond Suplice-Bosil, pour un total vote de 6812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite le parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5362 votes au pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes au pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN et ENH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons le parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons le parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Au parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous jouons CONAP de Daniel Dupiton, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Au parti PRDH, Dalvius Girard, nous jouons un total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Au parti Mopano, Tesler Dalmassi, il totalisait 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Au parti MUR de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes, un pourcentage de 0,09%. Au parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons le parti UN, PUN, Marc-Arthur Bouillard, qui totalisait 978 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons le résultat de Jean Coincy, qui totalisait 970
vote. Ensuite, nous joignons le parti clé, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes, pour un pourcentage de 0,9%. Ensuite, nous joignons Canaan, Jean Chaban Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Varnel Turandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny-Durozo, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous joignons le parti indépendant de Johnny Modestine, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lutner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous joignons CLA, OLA, Bâton Jeunesse, de Nelson Fecourt, qui totalisait 687 votes, soit un pourcentage de 0,06%. Puis, dernier point gagnant, c'est pour aucun candidat, qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et pour Jean Soldil, au niveau de l'intervention présidentielle, ce sont des résultats préliminaires, conformément à la calendrier électoral révisé, qui était distribué par tous les amis de la presse par le télévisé, date qui est dans le calendrier pour résultats définitifs, autant d'après.